moyen d'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Kievskaya? J'ai entendu des choses étranges à propos de cette station. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. Vladimir a perdu toute sa famille dans les tunnels. Et il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Re les gens. Tac, tac, tac. Il y a eu une petite ellipse, désolé d'avoir gâché la cinématique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Artyom ! Artyom ! Artyom ! Les sombres. Ben j'avais raison, ils sont très sympathiques, hein, les sombres. Réveille-toi, Artyom, réveille-toi ! Bien, il reprend. L'éclairez pas, on est en train de l'aveugler. Artyom, tu vas bien ? Tu peux tenir debout ? Artyom, qu'est-ce qui t'a pris ? On arrive ! Il y a un sas ici ! On s'arrête ici. Bon sang. Cet endroit me file la chair de poule. Ah non, moi j'ai confiance en les sombres. Pour l'instant, ils nous ont beaucoup aidés en fait. Jette un œil à la porte. Ah, unité de contrôle est réduite en miettes. Toutes les lignes sont coupées. Vlad, prépare tes outils, on doit ouvrir cette porte. Artyom, reste ici et couvre-nous. Il faut pas de mauvaises surprises. Merde, c'était trop beau pour être vrai. Très bien. Très bien. Vladimir, trouve le plan du premier bâtiment. Ullman, regarde ça. D'abord, on relie les câbles, puis à mon signal, on allume les interrupteurs. Oh non, ma mitraille, je l'ai payé, moi. Ignore-le. Il nous alice. Burn, baby, burn. Bon, je vais arrêter parce que je veux pas des droits d'auteur, hein. Burn. On fire. Wow, les munitions, elles se disent. C'est hyper cool comme engin. Regardez, aïe. Ben, je risque rien, moi, avec toutes ces flammes. Regardez, hop. Une, deux. Pourquoi je tire plus avec? Ah ok, j'ai compris comment recharger ce truc. Merde, j'arrive pas à démarrer. Allez les gars, on sort d'ici. Mais les anomalies, c'est très simple, il faut rester immobile. Ils sont où les autres? Ah, mais voilà mon arme. Bon.
Le petit pistolet. Ok, on reprend nos esprits. On a encore une longue route devant nous. Bon, les gars, c'est la porte qui mène à D6. C'est quoi? Merde. Fait noir là-dedans. Est-ce que j'ai regardé le lance-flamme ou pas? On y va. C'est cool, mais bon. J'ai déjà les armes qu'il me faut. C'est très cool. Et regardez, on va récupérer les munitions. Ah non, on les a déjà donc. Ah voilà, on a 108. Je pense qu'on va en récupérer plus tard. Je sais pas quoi penser du lance-flamme. Pourquoi juste cet instant? J'affie un petit peu. Mais comme ça avance vite, je pense que ce sera bientôt la fin. Très bien, on a réussi à passer. On va essayer de faire ça vite et bien. Ullman, tu diriges l'équipe d'assaut. Boris et Stepan, vous couvrez le comic. Artyom et Vladimir, restez près de moi. Allez, on y va. Pourquoi se dépêcher, colonel? On devrait plutôt s'asseoir et fumer une clope. On est bien trop nerveux. Pas de repos pour les braves, comme tu le sais. En avant, mes soldats! Vous allez passer à la postérité! La postérité? Je suis pas sûr de vouloir laisser mon nom dans les annales de l'histoire. Pas sûr, moi non plus, je veux pas. Si c'est pour crever. Bof, hein. Regardez! Quelqu'un a laissé un squelette ici. Ça vous tente un petit souvenir? Ullman, ça suffit avec tes blagues. Quand on sera à la station, tu nettoieras les tunnels avec une brosse à dents. Oui, mon maréchal. À vos ordres, mon général. Ben ça va? Oh, c'est une arme. Pourquoi on peut pas la récupérer? C'est une arme trop cool pour nous, en fait, c'est ça? Voici notre premier défi. Artyom, allume ces interrupteurs. Bah non, je veux d'abord trouver le coffre, hein. Vous pouvez vous... voilà quoi. Oh, tiens. Extincteur. Ce truc est marrant. Dommage qu'il soit cassé. Qu'est-ce qu'il... Bah non, on peut pas. Mais où est-ce que tu vas? Tiens, je vais chercher le coffre. Et en fait, on a des gants verts. Ok. Très cool. Pour le swag et le pimp. Bah oui, je vais très bien. Regardez, des munitions pour lance-flammes. Oh tiens, Blowband. Bon, je chante très mal, hein, mais ça c'est parce que c'est moi, mais bon. Bah voilà. Hop. Ouais, ça marche pas, ok. Il faut que je fasse quoi? Ouais, bon, je vais peut-être éteindre ça avant que j'aie des droits d'auteur dessus, parce que voilà. Là, 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 je parle plus fort que toi, je parle plus... Voilà, voilà. Je fais comment parce que l'interrupteur il marche pas. Tiens, il y a du câblage, ça va jusqu'... Il doit y avoir une sorte d'interrupteur genre ici pour allumer la toutes ces machins là pour juste l'électricité en fait, regardez. Regardez cet engin. Voilà. Vous voyez, j'avais raison. Je suis trop fort. Maintenant, ça marche. Bravo, Artyom. Tu viens de décrocher une médaille. Ullman, jette un œil aux égouts. Ah non, je peux pas y aller. C'est sombre, j'ai peur. Merde! Pas de vulgarité, soldat.
Je suis pas vulgaire, c'est de la merde, vraiment, et j'ai marché dedans. Mais c'est bon signe. C'est pas un signe, c'est un présage. S'il y a de la merde, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Ça fait chier. Bon. Mais comment ils ont des viseurs verts super cool. Voilà ma mitraillette. Désolé. Eux, c'est des professionnels. On peut pas récupérer ça si on peut. Tout est ok. Encore cette. L'attaque est la meilleure des défenses. Vladimir, tu vas avec Artyom. Et vous restez à l'arrière tous les deux. Ok, on y va. Mais je peux pas activer ça. Ouais, non, je peux pas. Colonel, je peux pas me battre dans ces conditions. Ça pue tellement que j'ai perdu le doigt. Pullman, j'espérais que ça te ferait perdre ton sens de l'humour. Allez, venez, viandez, je suis plus fort que tout, moi. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six... Allez. Un verre de gnôle pour chaque nosaliste. C'est une bonne idée, hein, colonel. Va te faire voir. À droite, ma droite ou ta droite? C'est une blague trop faite, ça. C'est même un cliché. Tir au jugé. Je vais installer cette modification pour plus faire de tir au jugé. Donc voilà, hop. J'ai bien eu raison. Il a dit quoi? Ça a vraiment marché ce truc? Allez hop, une. Il en a pas mis du temps pour qu'il crève. J'utilise pas assez ces les grenades. Oh, ça marche. Mon petit couteau. R.A.S. On dirait qu'on est au bout. Regarde ce qu'il y a derrière cette porte. Mais le coffre, il n'y a pas de coffre. Les mecs, il est où le coffre? Parce que j'ai une clé, mais pas de coffre. Tiens, je peux pas. Ah non, je peux pas. Bon, bah tant pis. Hein. C'est terminé. Tu peux plus l'aider. Stéphane, on y va. Les enfoirés. Boris, je le jure sur ta mémoire. Je les traquerai tant que je serai en vie. Putain de monstre. Très bien. Il y a une station d'essence et des égouts plus loin. Il faut qu'on ouvre la porte. Donne-moi quelques minutes. Très bien. Vas-y.
C'est triste. Putain. Encore un peu. C'est ouvert. Mettez vos masques à gaz. Je pense que moi ils sont déjà... Non, il est pas encore là. Voilà, là il est mis. Il y a déjà de l'eau dessus. J'espère qu'on n'a pas raté le coffre, hein, parce que là ce serait un petit peu dégueulasse. Hein. Tac. Des cartouches. Pullman, jette un œil aux égouts. C'est à moi qu'on fait toujours les boulots les plus intéressants. C'est moi qui suis devant. C'est moi le capitaine en fait. Parce que je suis le plus froid. Putain, ça sent tellement. RAS, on y va. Vous sentez que tout le monde va mourir un nain. Au revoir, une arme. Ouais, pas intéressante, tant pis. Viens garder ça. Attention les gars. Est-ce que je peux? Mais non, je peux pas. Hop, on avance. Il n'y a pas grand chose en fait. Regardez, je pourrais déjà travailler ici, mais bon. Mais c'est trop grand comme zone, on dirait qu'il y a une sorte de boss ou de gros terrain, parce que pour l'instant on n'a pas eu de boss hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un passage en bas. C'est notre seule solution. On y va doucement. C'était quoi? C'est le mode d'immortalité. On s'est fait repérer. Oh la vache, il y en a tellement. Il y a tellement de sang sur mon masque. Cramé dans l'eau parce que je suis un gueudin. Putain, il y en a encore. J'y crois pas, le pistolet m'a sauvé. On court jusqu'à la sortie. Merde, j'ai la volonté. Au jugé. Ça fait tellement bien de... Allez, on sort de là. Plus que 80 balles. Avancez, 80 balles, c'est rien. J'ai que 3 chargeurs de Kalash. Putain, c'est mauvais. C'est la porte qui mène à D6. On y est. On dirait bien. C'est verrouillé. Oh, ça me surprend pas. C'est quoi ce truc? On dirait une fichue porte. Allez, on y va. C'est bon. Artyom, inspecte cette pièce. Mais quelle pièce? Cette pièce. Attendez, c'est quoi le bug là? Attendez. Bon, il faut que je fasse quoi? Bonjour. Protéger Vlad, trouver le complexe, protéger Vlad. Mais il est protégé. Tu veux que je fasse quoi de plus? Ah ok, il fallait que je m'approche. J'ai pas confiance en ces portes.
On vous sentait le combat. Donc. On a eu de la chance, ça. Moi, je suis content que c'est. Tu vas bien? Bien. On va essayer de te rejoindre. En attendant, on cherche une sortie. Bonne chance. Merci. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose de l'enfer là? Putain de merde. Je suis pas arachnophobe, mais quand même, quand tu vois. Quand tu vois un truc si gros. Pff. C'est moi où elle crame? Le feu. C'est complètement débile. Non mais j'adore, c'est tellement débile. C'est, je leur montre mon briquet et le crame. Surtout quand elle te... Wow, la clé, c'était pour ici. Il fallait la trouver, la clé. Hein. Il faut dire ce qui est. Oh non, des égouts. Il y a un truc qui a cramé, bon. Briquet, 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 cramé. Ça fait mal, hein. Il est parti où? Génial, il a fallu que j'abandonne mon lance-flamme. Vas-y. Une de tes amies est morte. Tu vois les, vous voyez les petites araignées, ça va, c'est tranquille, mais bon les gros. Ah non, ça je pense que c'est le chemin principal. Bon bah voilà. J'avance pas, hein. Sans mon briquet allumé, j'avance pas, hein. C'est mort. Bon, c'est tout à coup moins mort. C'est si compliqué d'avancer dans toutes ces toiles d'araignées. Surtout que ça te ralentit. Vous sentez la grosse araignée?
deux malades là qui peuvent tous nous buter. Les nouvelles expérimentations sur les araignées sont concluantes. Elles atteignent 10 mètres de long. Elles nous cassent, mais elles sont sensibles juste au feu parce que c'est trop lol. Waouh, je suis où? What the f... Ah voilà, ok. Juste le ciel. Au moins t'es en vie. On a perdu Stéphane. Putain. Hé, hey, silence. J'avais eu raison. Il y a un son qui provient du tunnel. Vous l'entendez pas? Quelque chose approche. Et alors? Ça ressemble à un système automatique. Je vais regarder ça. Mais rentrez dedans, les mecs. Regardez, cette porte, elle a rien pour qu'on l'ouvre. Non, moi, je reste à l'intérieur. Hein. Moi, je suis Ullman. Hein. Non, Vladimir. J'ai comme un mauvais pressentiment. Bah non, c'est un super tramway, ça. Il faut que je fasse quoi, en fait? Faut que je attende l'inscript ou Putain, chaque fois RS. Il n'y a pas d'autre solution. On doit grimper à bord. Mais c'est logique qu'on doit grimper à bord. Il est en scénarium, ce métro. Tung 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 tung. Ah non, tiens, on est à 27 minutes. Alors la prochaine station, c'est D6. Je pense que là il y aura. Voilà, j'ai bien fait d'attendre quelques secondes de plus. On était proche de D6. On avait du mal à croire qu'on avait trouvé le légendaire centre de commandement. Mais valait-il toutes ces vies perdues? On allait bientôt avoir la réponse. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à le faire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cet épisode vous a plu, un rouge si c'est l'inverse. N'hésitez pas non plus à mettre un rouge si c'est l'inverse. Je l'ai déjà dit ou pas, je sais plus. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner. Allez, ciao, bye, peace.